Salut la communauté YouTube, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, donc là, je m'apprête à partir pour mon entraînement de catch. On est samedi et aujourd'hui, j'ai un entraînement libre. Donc ça veut dire que c'est un entraînement où on peut aller et travailler sur les choses qu'on a envie de travailler. Et dans l'entraînement d'aujourd'hui, j'ai l'objectif de travailler sur mes points faibles, aussi de faire quelques enchaînements sur le ring. Je vais peut-être aussi travailler sur quelques soumissions parce que c'est vrai que j'ai pas beaucoup de variété de soumissions. Et je pense que je vais travailler aussi sur mon agilité, ma coordination et ma vitesse sur l'échelle d'agilité. Donc c'est plus ou moins le programme, je te dirais, pour mon entraînement d'aujourd'hui. Les semaines qui sont passées, j'ai eu généralement j'ai des shows de catch le samedi, donc je ne peux pas aller m'entraîner le samedi. C'est pour ça que j'ai deux autres entraînements dans la semaine de catch, généralement le jeudi et le vendredi, mais là c'est des entraînements structurés avec le coach qui donne cours. Et c'est ça que j'aime bien, par exemple avec le samedi quand c'est des entraînements libres, tu peux travailler sur ce que tu veux. Donc du coup là je vais en profiter pour aller m'entraîner aujourd'hui parce que la semaine prochaine j'ai deux shows de catch. J'en ai un le samedi et un le dimanche. Ça va être un week-end qui va être pas mal chargé. Et en plus dimanche c'est la demi-finale de la Lutte Academy, donc je serai dans un match 3 contre 3. Et à l'issue de ce combat il y a deux personnes qui vont être éliminées et les autres iront en finale. J'espère que je ferai partie des finalistes. Mais dans tous les cas, je te tiendrai au courant à ce niveau-là. Mais là, dans un premier temps, je vais d'abord me concentrer sur mon entraînement d'aujourd'hui. Je vais prendre mon petit remontant, je vais prendre la route et on se retrouve juste après. Entraînement terminé, franchement c'était vraiment un bon petit entraînement, j'aime bien ce type d'entraînement là, libre. J'étais obligé de me changer parce que j'étais trempé, franchement. Il n'y a pas la clim dans le dojo où je m'entraîne. Enfin, il y a des petits ventilateurs, des petites clims comme ça, mais ça suffit pas. Et du coup, j'étais vraiment trempé à la fin de l'entraînement. Mais c'est pas grave, ça fait du bien. Et là, j'ai un petit shaker qui m'attend avec des flocons d'avoine. Et j'ai pu travailler sur les choses sur lesquelles j'avais envie de travailler. Et sauf ici, après, à la fin de l'entraînement, on avait travaillé sur un drill que j'avais pas fait, enfin, qu'ils avaient fait pendant la semaine, le jeudi. Moi, j'ai pas pu aller à l'entraînement pendant la semaine, le jeudi. Et du coup, ils m'ont montré ce qu'ils avaient fait cette semaine. Et puis après, de mon côté, j'ai pu aussi aider un petit peu les débutants, les rookies, ben voilà, qu'ils avaient besoin de travailler sur certaines choses. Donc c'était vraiment un bon petit entraînement productif. Et là, je vais me rediriger vers chez moi et j'ai un autre repas qui m'attend que je te présenterai. Repas numéro 3 de la journée. Et qu'est-ce qu'on a aujourd'hui au menu? On a donc 200 g de riz en
240 g de riz avec 200 g de saumon et plus ou moins 200 g d'asperges. Alors oui, je sais que j'ai pris mon shaker juste avant. J'ai pris mon shaker après l'entraînement, donc ça fait à peu près 30 minutes le temps que je revienne. Et c'est vrai que c'est pas forcément nécessaire quand tu manges un repas solide juste après. Mais moi ici, je l'ai fait pour atteindre mon quota de calories sur la journée. Parce que j'ai manqué un repas au matin. Enfin, j'étais censé prendre mon shaker ce matin vers 10h. Mais j'ai pas pu le prendre, donc c'est pour ça que je l'ai pris juste après l'entraînement. Comme ça, je respecte les repas que je dois prendre pendant la journée et au moins j'atteins le quota de calories que je suis censé atteindre. Parce que moi, mon objectif pour l'instant, c'est d'essayer de gagner un maximum de muscles, mais de ne pas perdre du poids. Ici, c'est un petit peu difficile en ce moment avec l'été quand il fait chaud. On n'a pas toujours autant faim qu'en hiver, par exemple. Mais j'essaye de garder quand même au maximum autant de repas qu'en hiver. Je mange autant de repas qu'en hiver. Et au moins, ça me permet de rester stable au niveau de mon poids. Mais bon, trêve de bavardage, là, je vais manger mon repas. Parce que malgré tout, ce genre d'entraînement, ça te fait consommer beaucoup de calories. Et du coup, moi, après, une heure après, j'ai faim. Et après, un petit peu plus tard dans la soirée, il me restera un autre pas. Une nouvelle fois sur la route, et là, je vais me diriger vers une zone. Parce qu'ici, aujourd'hui, il fait super chaud. Je crois qu'il fait, tu sais, il fait super humide ici au Québec. J'avais envie d'aller me baigner un petit peu aujourd'hui. Et du coup, là, je suis en train de me diriger vers une zone où on peut se baigner, un petit coin nature aussi avec une petite zone de plage. Et moi, ce que j'aime beaucoup avec le Québec, c'est que malgré que tu habites en ville, parce que moi aussi en ce moment, j'habite en ville, t'as pas besoin de faire 2 heures de route pour te retrouver dans un coin nature et de profiter des beaux paysages. C'est à peine à 20 minutes de chez moi, donc c'est vraiment très proche. Et c'est un endroit où j'ai jamais été, donc je suis un peu impatient de voir à quoi ça va ressembler. Bon, petit changement de programme parce que mon projet d'aller me baigner, c'est un peu tombé à l'eau, c'est le cas de le dire justement. J'arrive là-bas et je vois un panneau interdit de se baigner. Je fais merde, j'ai encore choisi le mauvais endroit. Mais c'est pas grave, mon projet de baignade ce sera pour plus tard. Et en compensation, je suis venu ici me balader dans une zone qui est aussi proche de chez moi. Comme tu peux le voir derrière moi, c'est une zone... C'est une zone boisée, quoi, c'est la pure nature. Et le fait de me retrouver comme ça en nature, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je suis pas vraiment quelqu'un de compliqué. Tu me donnes des choses simples de la vie et je suis content avec ça. Comme ici, en l'occurrence, une petite balade dans les bois avec juste le son des oiseaux. Moi, ça m'aide vraiment à me déconnecter, à bien me ressourcer. Et moi, je trouve que c'est important d'avoir ce genre de petits moments parce que maintenant, avec la vie qui va tellement vite, la pression, qu'on a tendance à se mettre trop de pression sur nos épaules. Et on a toujours la tête dans le guidon et on n'a pas ce réflexe de faire un pas en arrière et de prendre du recul. Et après, chacun aura sa propre méthode de se déconnecter et de se ressourcer. C'est pas forcément qu'en allant se balader en nature. Moi, c'est quelque chose que je conseille parce que c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup et qui fonctionne sur moi. Mais ça peut être dans tout et n'importe quoi, si ça peut être dans une passion ou autre chose. Et il y a aussi une chose sur laquelle je vais travailler moi personnellement, c'est tout ce qui est réseaux sociaux et tout ça. J'ai remarqué que je passe beaucoup trop de temps sur les réseaux sociaux et ça me gâche vraiment de la productivité. C'était pas rare que des fois je fais des actions banales de la journée et je prends tout le temps mon téléphone avec moi. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je veux réduire parce que j'ai pas envie que ça devienne une addiction et j'ai pas envie non plus que ça me nuise dans des futurs projets par exemple. Mais ça veut pas dire que je vais arrêter YouTube. Non, YouTube, c'est vraiment quelque chose où je vais continuer à m'impliquer dedans. Mais c'est vraiment tout ce qui se passe en dehors de YouTube, dans ma vie quotidienne. Et je pense personnellement que pour le futur, ça va quand même beaucoup m'aider. Donc voilà en ce qui concerne un petit peu mon état d'esprit du jour. N'hésite pas à t'exprimer en bas dans l'espace commentaire qu'est-ce que tu penses de tout ça. Quant à moi, je vais ici, je vais finir ma balade. Et après, je vais rentrer chez moi. Et moi, je vais te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. Tout dépend à quel moment tu regardes cette vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner pour ne rien rater de la sortie de mes futures vidéos. Et quant à moi, je vais te dire à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut !